Alors. Des vôtres, bâtissez. Là, faudra trouver où elle se cache. Balader par là. Et insuffisante, Teb a besoin de plus d'activité pour être productive. Je pense, mais pour l'instant, on est obligé de faire avec la production qui. Éclaireur affiné, éclairé. Gilgamesh Kiengi ou Sharuru Kanaku. On a rencontré Gilgamesh. Ou Gilgamesh. Alors. Et où? Ailleurs. Méfions-nous. Cache-t-il. Voilà. Alors. Ça. On fait oh, lui péter la gueule. Alors, pourquoi pas.
Pourquoi pas? Ah. De l'or encore. Pff, c'est chiant. On se où mes guerriers parce qu'ils se baladent mais. Ah ils sont tombés sur des frondeurs. De la maçonnerie. Après, est-ce que ça vaut le coup de finir le tuto? Je sais pas. Clairement, c'est pas clair. Le Tsingi est un piège à tigre de 650 km², composé exclusivement d'obélisques géants à bout pointu. Et oui, c'est dangereux naturelle, et ça coupe. Dans lequel j'avais vu déjà le concept de merveille naturelle. So cool. Ah, les frondeurs qui nous tapent. Saloperie. De Gilgamesh vous apporte des bijoux, des sumères et des lyres du. Recevez-vous dans votre délégation est la bienvenue. Évidemment. C'est bien con de dire non. Il me saoule. Eh oui, Takazak. Ah, pourquoi pas? Bon, le frondeur, il s'est fait péter la gueule, c'est cool. Oula. Ah, il ne m'aime pas. D'accord. C'est gênant. C'est très très gênant. Faut que je construise des unités, mais... Mal barré pour mes guerriers. Hein. Je sens pas... Je sens pas bien parti. Hein. Non, c'est pas mon premier civ. Là, je fais. Ah, promotion. Très bien. Nanana. Puissance de combat plus 7. Nanana. Allez, faisons ça. Et bah, attaquons du coup, vu que ça les heal. Non, ils peuvent pas. Ah, ils peuvent pas. Hein. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils viennent de faire une amélioration. Mais ils viennent aussi de casser la gueule à un ennemi. Et ça, c'est bien. Attends, je suis jusqu'à guérison, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. S'il peut y avoir comme barbare dans le coin. Alors après, ils nous en veulent. À ma grande surprise, le Kilimandjaro ne propose pas le Wi-Fi. Et j'ai donc dû passer deux semaines en Tanzanie à parler aux personnes autour de moi. Attendez, je reviens parce que... Faut d'une part que je mette ça dans ma cuisine. Pas d'un coup, un truc à...
Oui. Oh, très bien. La splendeur et la majesté de ce monde suffisent parfois à inspirer de nouvelles idées à notre peuple. Cette découverte est une bénédiction. Bon. Civilisation 6, ces succès vous permettent de gagner des Eureka et améliorent vos recherches technologiques. Cette Eureka, par exemple, a été obtenue pour une merveille naturelle. Il peut aussi s'agir de remporter une bataille avec un certain nombre d'unités ou de construire un bâtiment. L'obtention de ces succès accélère nettement vos progrès technologiques. Très bien. Ça me va. La gueule à ces frondeurs de merde. Presque. Non, c'est qu'il y a des barbares de merde qui arrivent aussi. C'est la merde pour les guerriers, c'est la merde. Oula, pour les éclaireurs aussi. Voilà. Retranche-toi sur ta case. Histoire de te faire péter la gueule comme un con en étant retranché. Ah ouais. Ça passe pas, malheureusement. Voilà pour se faire des amis. Alors, ah, fallait que je fasse ça, les remparts antiques. Mais c'était plutôt. Faisons l'archer sur char. Il y a des ressources dans le coin. Alors, nous pouvons faire... Nanana... Ah mais elle est où la civilisation de l'autre con là? Alors, faisons des loisirs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme gouvernement? On peut faire. Doctrine Joker. Allons-y. Ok. Votre inspiration est contagieuse.
Et si l'ensemble de notre civilisation réalise des prouesses grâce à vous, l'un de nos citoyens s'élève clairement au-dessus des autres. Sous vos conseils avisés, nul doute qu'il saura radicalement transformer le cours de l'histoire. Ah, on a fait un personnage illustre. Vous avez gagné une opportunité d'obtenir un personnage illustre pour votre civilisation. Les personnages illustres confèrent des avantages significatifs, chacun dans leur domaine. Il en existe plusieurs types, comme des artistes, des ingénieurs ou encore des chefs militaires. Ouvrez le panneau des personnages illustres. C'est votre personnage illustre. Oui, c'est là. Alors, chaque personnage illustre aura une ou plusieurs occasions d'activer un bonus spécial. Ils apparaissent comme une unité dans l'une de vos villes. Vous devez activer leur bonus à un endroit spécifique de la carte. Un personnage illustre à utiliser tous son. Alors, il y a un personnage illustre accumule notamment de points de personnage. Hip. Déploie un scellet pour le recruter dans votre civilisation. Les quartiers, les bâtiments sont les principales sources de ces points. Mais vous pouvez également venir grâce aux doctrines. Presser, dépenser de l'or ou de quoi. Permet d'obtenir immédiatement un illustre de votre choix. Vous ignorez un personnage illustre qui ne vous intéresse pas. Dans ce cas, les autres joueurs auront la possibilité de le recruter et votre choix sera irréversible. Vous aurez toutefois vos points de personnage illustre pour une autre figure, pour une future opportunité. Alors, iPad, chance plus 1 pour les bibliothèques. Bon, instantané d'une bibliothèque dans ce quartier. Je le recrute. Unité en attente. Bien. Pas ici. Paf! Vient de construire une bibliothèque en instantané. Il en a rien à foutre. Bravo. Vous implorerez Apollon Delphien, parce que c'est moi qui, sous la forme d'un dauphin, ai dirigé votre vaisseau à travers les flots azurés. L'autel, qui recevra de même le nom de Delphien, subsistera toujours. On a fait l'oracle. On a fait l'oracle. Une production. Nous allons produire. Nous allons pas des remparts antiques. Oh là, il y a trop de monde. Ils vont se faire péter la gueule, mais mes éclaireurs, ça va être bien. C'est le moment de se barrer. Hein. Oh là là, il y a tellement de barbares dans tous les coins. Je sais pas pourquoi ils s'emmerdent à se balader, on a mis le connard. Allez, vas-y. Je suis les conseils de la conseillère. Seb a construit des archers. Génial. Bien, nous allons nous déplacer. Alors, où les remparts ?
Cassos. Ah, ils vont pas les laisser tranquilles, je crois. Un des objectifs. Oh putain de merde. Je crois qu'on peut pas aller par là. Oh putain, vache. Un campement. C'est pas... Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse un campement. On m'a dit ça. Oh. Un campement. C'est où le mieux? Hop, on va dire là. Bon bah adieu hein. Les éclaireurs hein, c'est sympa hein. C'est rigolo hein. C'est jusqu'à... rigolo jusqu'à ce qu'il meure hein. Mais il est là-bas l'autre con. Non. Mais il est là-bas l'autre con. Ah. Alors qu'est-ce qui se passe? Déclaration de guerre carrément. Ah, je l'ai tellement pas vu arriver. Gilgamesh Tustanima, Akani Gilgamesh Ikrashalka. Au revoir. Alors attends, ils sont où mais elle est où mon unité là? Oh la vache. Bon. Elle a mon unité? Non parce que Thèbes, est-ce que Thèbes va s'en sortir sans... Elle va avoir un problème. La promotion va être bienvenue quand même. Qu'est-ce que je pourrais construire? Un archer? Hop. Thank you.
Non. Pourquoi il a pas attaqué à distance comme je voulais? J'ai dû faire de la merde. Pas possible. Pas. On voit pas le truc d'attaque à distance là. Ah, c'est bon. Ah, il est con, il bagdash. Allez, faites donc ça. Ça, par contre, ça me plaît moins. Alors, qu'est-ce que je peux... Ah merde. Remords cette merde. Ça suffit pas. Dommage. Alors, un déclenche un Eureka pour deux technologies aléatoires. Quoi ça? Ah, c'est lui. Je peux pas la faire attendre. Je peux pas la faire se retrancher. Parce qu'il y a deux unités. Thank you.
Ah, c'est dire les gars. C'est ça. Ils attaquent deux fois les archers. Heureusement. Alors, on va commencer à contre-attaquer parce que on va nous emmerder le temps, les connards. Ce n'est pas en nous isolant du reste du monde que nous prospérerons. Ces négociants sont un bon moyen de commercer avec nos voisins. Nous pourrions ainsi renforcer notre économie et mieux appréhender les mystères de notre monde. C'est vrai, ça. Très bien. Alright. Votre civilisation peut établir un nombre limité de routes commerciales, mais vous pouvez augmenter ce nombre en construisant des plateformes commerciales ou des ports. Ok, donc là je peux faire une route commerciale. Le plateau de commerce, il indique les villes avec lesquelles vous pouvez entrer en relation, les portées de négociation illimitées, mais une visite des villes voisines vous permettra d'y établir un compteur commercial. Ça servira de relais vers des destinations plus lointaines. Selon les bâtiments et les quartiers construits dans la ville étrangère, la destination. De destination, vous pourrez gagner de la science, de la foi, de la culture ou de l'or pendant un nombre de tours limité. Les destinations intérieures peuvent, quant à elles, vous apporter de la nourriture et de la production. Oui, très bien. Établissons une route commerciale vers Akadet. Oui. Établir la route. Négociant m'a maintenant voyagé jusqu'à sa destination. Puis revenir en générant les ressources correspondantes. À son tour, vous pourrez choisir une nouvelle route commerciale. Ah. Négociant construira également une route vers sa destination lors de son voyage. Les unités se déplaçant sur une route ne subissent aucune pénalité de terrain. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on va construire? Plutôt des unités militaires. Campement, oh, tiens.
s'emmerder avec un connard qui essaie de nous. Voilà, ils prennent tellement plein. Alors, faire la paix. Puis là, faut faire la paix pour 30 tours de l'or, machin. Quoi ça? La partie en dessous, c'est... Refuse. Il veut mon pognon? Viens le chercher. Vous avez atteint un objectif, construire une caserne. Oui. Une techno. Un dogme. Une production. Qu'est-ce qui pourrait faire le plus mal? Ça se retrancher. Elle a survécu, incroyable. Pas de nuisage, il n'y a pas de... Oh merde, dommage. Les autres cons. Bordeaux, son unité à la con. Vous êtes combien dans cette ville? C'est de ma gueule? Je refuse, connard. Casser le cul. C'est le but. Promotion. Tac. Qu'est-ce que tu vas faire?
Christian. Alors, qu'est-ce que j'ai amélioré? Je peux pas acheter quoi que ce soit. Je peux pas recruter de personnage juste pour que... Ah, c'est lui. Alors... Les adjacentes à un barbare. Oh là là. Quel bordel. Mais encore il est niveau. Oh, je fatigue. Ah, c'est où? Notre peuple a tourné son attention vers le ciel, et se demande désormais si nos destinées ne seraient pas l'œuvre d'une puissance supérieure. Qui sont ces dieux? Et quelles bénédictions voudront-ils bien nous accorder? Ouais. Vous aurez probablement remarqué que vous générez une petite quantité de foi à chaque tour. La foi est générée lentement par certains quartiers. Que vous avez accumulé tellement de foi, vous pouvez passer à l'étape de la fondation de la religion en formant un panthéon qui vous fournira divers avantages stratégiques. Le choix entre de nombreux panthéons, chacun ayant des effets propres. Quand vous en choisissez un, il apparaît de la liste des panthéons disponibles réservés à la religion pour toute la partie. Faites-le. Quoi? Un panthéon et cliquez sur fonder sur. Thank you.
Oh, la prochaine étape consiste à attirer... pour fonder une religion. Je vais... un lieu aussi. Ok. Porte... point de... nombre d'opportunités permettant de fonder une religion est limité et rien ne vous y oblige, mais si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas lutter efficacement contre un joueur visant une victoire religieuse par la conversion de vos citoyens. C'est pas très sympa. Eux, ils sont dans la merde. Ouais, je voulais me barrer. Le bâtisseur. Le bâtisseur est fait. Je pourrais. On me propose ça. Bâtisseur.
Alors, oui. L'objectif, très bien. Je refuse toujours. Mais il arrête pas de reconstruire des nouvelles unités, c'est chiant. Et aérosol du 78. Bon, très bien, ça c'est cool. Pas sûr que ça soit très efficace.
Jean-Baptiste? Jean-Baptiste? Votre lieu saint ou sur Stonehenge? Pas forcément. Lieu saint. Ah non, il est là, mon dieu. Je fonde une religion. Easy. Je choisis une religion. Ce sera... la religion... je ne sais quoi encore. La religion de la tortue. Hashtag ça va vite. Voilà. Une belle religion, comme on les aime. Excellent. Et j'ai choisi ma religion. Alors, oh, je l'ai pas confirmé. Oh. Hashtag ça va vite. Je confirme. Religion aucune. Bon, pas clair. Bon, écoute, on va pas s'emmerder. On va prendre une religion qui existe. On va prendre le... Ouais. Le catholicisme, c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Ah mais ça marche comment les religions? C'est pas clair. Vas-y, j'ai confirmé. Ah les croyances, merde. Les croyances. Ah, l'heure du travail, connard. Je vais choisir une autre croyance. Ouais, y a tellement de trucs. Ouais, on va prendre ça, puis merde. Fait casser. Bon, vous savez quoi? Arrêtez là, le stream.